Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match entre le Rugby Club Toulonnais, pas le Racing Club de Toulon. C'est vraiment parce que je l'entends à plein d'endroits différents où les gens croient que c'est le Racing Club de Toulon. Non, c'est bien le Rugby Club de Toulon. Face au Stade Rochelais, le vainqueur de ce match aura la chance d'aller se prendre une branlée face au Stade Toulousain en demi-finale. Donc on va y aller, on va y aller, on va prendre Toulon qui est un peu moins bien noté logiquement. Alors qu'est-ce qui ressemble? On sait que ça va jouer à Mayol, hein, à Mayol évidemment. Alors, ça, vous avez vu, il y a les, y a les bâtiments derrière, un peu comme à Mayol. Ça a pas mal changé, il n'y a plus Louis Carbonel, mais bon, je sais pas si on va avoir un... Je regarde vite fait, alors bon. Il n'y aura pas Jack Noël côté Rochelais, moi je serai supporter Rochelais évidemment en espérant voir hein, un Jack Noël nous mettre de la folie. Voilà. Même si, comme je vous le disais, je pense. Il n'y a pas plus belle eau non plus. Compliqué, hein, compliqué. Oui, je pense que dans tous les cas, le gagnant de ce match, bah, il va en chier. Il va en chier des bulles. On va laisser Vaï Nicolo à l'arrière. Luc est parti. Ça a tellement bougé. C'est là que tu vois à quel point de Toulon, il y a. Et voilà, ça bouge du côté de leur équipe. Bon, on verra ce que ça va donner. Ça va pas être simple comme ça, mais bon, sur un malentendu. Allez, voilà. Ben en avant, en avant. Donc, favori pour ce match? Bon, plutôt Toulon, parce qu'ils sont quand même à domicile et on sait l'avantage que c'est dans le rugby de jouer à domicile. Quel genre 5 coupes différentes. C'est Brian Lima, joueur des Samoans de l'époque, ou des Tongiens? C'est un Samoan ou un Tongien? Je ne sais plus si c'était avec les Samoans ou les Tonga. En tout cas, on y va. Donc, comme je vous disais, moi j'aurais juste une préférence pour La Rochelle pour voir Jack Noël. Voilà, pourquoi pas aller chercher un nouveau titre, un des rares derniers titres qui lui manque à son énorme palmarès. Mais comme je vous disais, je pense que Toulon en jouant à domicile part avec un avantage, même si La Rochelle est sur une. Il était complètement rouge, mais moi je le contrôle. Je trouve que l'avantage est passé, on récupère la balle, c'est parfait. Baptiste Serein pour Gabin Villière, le retour intérieur pour Etrillard. Et on est bien plaqué. Il y avait un en avant, l'arbitre l'a pas vu, mais. C'est pas grave, advantage is over. Allez, Vaï Nicolo, pas à sa place. Hein, repositionné à l'arrière, vu que. Voilà, on n'avait pas. Allez! Pareil, Danglo. T'es toujours à Toulon, Danglo? Je suis pas sûr, non, je crois pas. Hein. En tout cas, les deux demi de mêlée, évidemment, c'est Serein et Ben White du côté du Racing Club toulonnais. Du rugby club, on se calme. On domine ce début de match, mais pour l'instant, ça manque d'efficacité. Le petit, regardez, la passe au pied, magnifique. Et Rito qui peut aller planter le premier essai du match. Elle est pas mal la passe au pied, parce que souvent c'est pour son propre joueur qu'on fait le jeu au pied, alors que là, non, on l'a joué intelligemment. Hop, regardez. Erito, longue passe pour Gabin Villière, il n'est pas hors jeu. Parfait. Erito peut récupérer la balle. Ça ne reviendra pas du côté de Brice Dulin. Et on marque le premier essai de ce match de barrage. Hein, ou appeler ça quart de finale hein, aussi. Ça marche aussi. Oh le. Oh, à l'extérieur, c'est dommage. Pas mal tapé, mais dommage. Ouais, donc voilà. Moi je pense que ça peut être un match quand même, en tout cas assez serré. Je pense que La Rochelle a les moyens de faire douter, le rugby club toulonnais. Je m'explique pourquoi, parce que je trouve que on sentait qu'il y avait des arrières. Attention, les avants, voilà, La Rochelle, ça fait des années qu'ils sont très solides devant. Et ils étaient accompagnés derrière qui tenaient même très bien la route. Et là, cette saison, on sentait que c'était plus compliqué. Et comment je la sors? J'ai oublié. Stop. Comment je la sors, s'il vous plaît? Ah ouais, en fait, il fallait que j'attende. Autant pour moi.
On va envoyer les bros encore. C'est bizarre, normalement les bros ils étaient dans le mollet, mais. Ouh là 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 là, on perd la balle là. Oui, donc je finis ce que je disais, même si on va concéder un essai pendant que je finis ce que je disais. Ouais, oui, Gabin hier, nouveau essai. Eh oui, et on va concéder l'essai. Donc, ouais, je trouve que La Rochelle, ils sont toujours solides, hein, et ils commencent à avoir des arrières qui commencent à prendre ou reprendre confiance. Je pense à Jack Noël qui commence à être vraiment bon sur les derniers matchs. Déjà, il est positionné à l'aile, ce qui lui convient mieux, parce qu'on rappelle qu'il était tout le temps mis au centre avec La Rochelle. Ils ont oublié que c'est pas un centre de base, c'est un ailier. Mais Brice Dulin aussi reprend confiance, je trouve. C'est Tony qui a eu une saison compliquée. Je sais pas si ça l'a marqué à cette erreur qui coûte le championnat l'an dernier. Au final, c'est lui qui fait une énorme erreur défensive qui coûte la victoire à La Rochelle en top 14. Ben voilà, je trouve que les arrières commencent à se retrouver côté Rochelais. Et devant, ben, ça a toujours été solide et c'est toujours solide du côté Rochelais. Donc, méfiance. Toulon aura l'avantage, voilà, domicile, du public, le fait de connaître bien. Ah non, Erito, j'ai pas réussi à faire la passe. De connaître bien le vent, on le sait, hein, le Mistral là-bas. Je sais pas si ça s'appelle le Mistral comme à Marseille, mais en tout cas par là-bas, ça souffle et c'est important de bien connaître comment souffle ce vent pour le buteur. Ça peut avoir de l'importance, enfin voilà. Oh là là, il a pas aplati, ils ont réussi à conserver. Est-ce que va Nicolo? Attention, va Nicolo. Oh, dommage, ça aurait pu nous refaire passer devant et nous refaire passer à 8 à 7, malheureusement, c'est passé juste à côté, voilà, je parlais du vent de Mayol, et ben voilà, on a été perturbé. Allez, attention, il y aura des espaces là, Gavin Villiers, faut pas se rater, bien plaqué, et mené de 2 points, mais au moins le match est sympa, voilà, je vais vous proposer celui-là de match, en tout cas pour ce week-end, l'autre, je pense que... Alors, malgré l'absence de Jalibert pour cette fin de championnat, je pense que Bordeaux a vraiment moyen de dérouler face au Racing. Et puis, ils vont dérouler aussi face au Stade Français Paris. L'UBB, ils ont quand même un parcours, idéal, hein, pour arriver jusqu'en finale. Après, en finale, très probablement face à Toulouse, ça sera une autre histoire. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont un barrage à domicile face à clairement l'équipe la plus faible, voilà, qui est un peu qualifiée et inespérée. Et une demi-finale face à une équipe qui n'a rien à faire en phase finale presque. Enfin, on ne sait pas comment le Stade français. Honnêtement, le Stade français, c'est un bug dans la matrice. Désolé pour les supporters du Stade français, mais je comprends pas comment ils peuvent être là. Je trouve Castres meilleur, je trouve Clermont meilleur, je trouve Pau meilleur. C'est vraiment... ouais, du niveau de Pau, quoi. Mais en tout cas, je trouve Castres et Clermont vraiment meilleurs. D'où le fait que... ben voilà, je trouve que Bordeaux a vraiment... voilà. C'est vraiment un truc parfait. Oh non, c'est pas bon, attention. Ce serait bien de ne pas concéder tout de même des points avant la mi-temps. On est dans le match, on est à 2 petits points. C'est juste cette transformation ratée qui était pas mal tapée en plus. Mais allez, on monte fort. Et les Rochelais qui nous posent souci là. Allez, ah, ça aurait pu être un ballon intéressant. Allez, on va le tenter, on va le jouer. Oh, ça va être difficile à jouer quand même là. Mais sur un malentendu, on prolonge au pied. Villiers, oh, il a réussi à aplatir. Oh là là, j'ai cru qu'on allait aller en ballon mort, mais Gabin Villiers, cette fois-ci, c'est pour lui-même le jeu au pied. Et on repasse devant, 3 points. Allez, ce serait bien. Ah, c'est Danglo, notre buteur. On voudrait mieux faire buter Serein normalement, mais cette fois-ci, ça va passer. Et on reprend les 5 points d'avance. Ben voilà. C'est pas mal, on est dans le match. On l'a pas si facile que ça, mais on est pas trop mal. Olivon. Bon, je sais pas si vous avez vu, on a des photos, hein, très vite fait, hein, on a des aperçus. Oh, c'est monté tellement fort. Allez, Duncan Payahua.
Voilà. Oh, il est pas mal ce loupi. Oh, il est pas mal. Oh, ah, dommage, dommage. Il a réussi à sauver la touche Brice Dulin. Ouais, on a des images, mais on peut rien juger. Moi, j'attends. Je pense que la sortie du jeu est dans pas si longtemps que ça, vraiment. Je parle de rugby 24, évidemment. Hors jeu. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on est vraiment pas loin de la sortie de rugby 24. Ça aurait été pas mal de sortir rugby 24 pour les phases finales du top 14, de la première chip, etc. Ça aurait été encore dans un moment où il y a eu, tu peux trouver une hype du rugby. Là, le truc, c'est qu'ils vont la sortir. Ben, l'hémisphère nord sera en vacances. Enfin, je pense. Peut-être que tu vois, ils vont même pas le sortir encore cet été. Mais je pense qu'ils vont le sortir dans l'été. Allez, Gabin Villière, je pense qu'on va prolonger au pied. Il faut pas qu'elle aille en touche. Ah, c'est évidemment directement en touche. Ah non, là, en plus. Mauvais timing. Et ils vont tenter le maul. On a que 5 points d'avance. Attention, parce qu'un essai transformé, il repasse devant. Un essai non transformé, on peut aller aux prolongations, les gars. On peut aller aux prolongations sur un malentendu. Il avance. Attention. Wow. Aïe, 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 ça va être difficile. Hein. On fait ce qu'on peut, les gars, mais... Wow. Allez, Gabin Villière. Oh, on s'est rattelé deux plaqueurs. Aïe, 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 aïe. J'ai une Favre qui arrive à aplatir. Et là, la transformation, elle est importante. Elle est pas facile. Au moins, on les a obligés à aller en coin. Antoine Astoy. Ouais, elle est belle. Aïe, 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 aïe. Il repasse devant. C'est le chassé croisé. Ah non, c'est Popelin. Hein. Je pense que ça sera Astoy. Je présume. On n'a pas les compos, hein. Je fais cette vidéo ben, mardi soir. Ouais, donc au niveau de rugby 24, on a vite fait des images où on voit pas grand chose parce que la qualité d'image est pas bonne. On voit de loin un truc, c'est une photo. Bon, donc j'ai rien fait, je ferai pas de vidéo là-dessus. Oh, oh, l'interception qui peut coûter cher. Oh, dommage, j'aurais dû aller chercher Rito. On va aller le chercher cette fois-ci. Et il va marquer le doublé. Très important. On lâche pas l'affaire, les gars. Le chassé croisé continue. Au moins, le match est... J'espère que vous profitez, là, parce que... Encore une fois, hein, Rugby 22, on arrive à prendre plaisir quand on affronte une équipe. En fait, il faut qu'elle soit un peu plus forte que la nôtre. Et on va trouver une certaine adversité. Qui est sympathique, voilà. On est évidemment au niveau de difficulté le plus dur du jeu. Hein. Oh là 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 là, ils nous ont mis une pression là, Olivon de suite qui se fait. Ah, Duncan Payaya qui arrive à récupérer la balle, je pense qu'on va. Oh, attention, hein, j'ai cru que j'allais l'envoyer direct en touche avec Seren, donc j'ai fait vite renvoyer vers le milieu, mais ça. Bon. On est sur la ligne médiane. On a 5 points d'avance, donc on est à l'abri d'une pénalité ou d'un drop. Donc ça, on va dire que c'est positif. On est en train de les faire reculer, on récupère la balle. Oh, c'est quoi cette passe de merde de Baptiste Serein? Ah non, il s'est fait. Je pense que c'est plaquage, vous savez, mais ça aurait pu être en avant. Alors, moi, je le prends comme ça. J'ai demandé à extraire la balle. Il y a peut-être quelque chose. Ouais, dommage. Oh, mais ils nous mettent une pression dans les rucks. Ça va être difficile. Attention, petit côté. Ah, non, je suis trompé. J'ai cru qu'ils allaient aller petit côté. Mais non. Est-ce que Jack Noel va encore marquer un essai comme il en met en série en ce moment? Ah, il en a mis un face au Racing. Il en a mis un face au Stade Toulousain. Il est en canne là. Alors, il a blessé Popelin du côté Rochelet. On tente. La longue sautée, Rito qui retrouve Cordin. Cordin, le petit jeu au pied. Si on marque l'essai, on tue le match. Hein. Même une pénalité ou un drop, parce qu'en vrai. Ouais. Cette bataille. En vrai, si on arrive à aller à plus d'un essai transformé d'avance. Allez, Duncan Payaya. On le tente. Le vent qui la ramène. Oh, il était court. Il était court, dommage. Allez, vas-y, Nicolo, on t'a pas trop vu. On t'a vu juste tenter un drop. Non. Ouais, il a bien fixé. En tout cas, il a retrouvé Erito. Erito, la passe, est pas bonne. Mais Ori arrive à récupérer. Et on va aller marquer l'essai qui scellera le sort de ce barrage et de ce quart de finale. Une victoire
toulounaise que, comme vous disiez, on va espérer, elle va pas être prémonitoire parce qu'on sera derrière les Rochelais, évidemment. J'aurais pu vous sortir le... J'ai un drapeau Rochelais. J'ai un drapeau de La Rochelle quand j'étais allé voir les Exeter Chiefs quand l'année où ils ont gagné la Champions Cup. C'était juste avant le Covid. J'étais allé à La Rochelle voir le match face aux Exeter Chiefs. Cette victoire des Chiefs avec une interception sous mes yeux de Henry Slade pour aller marquer un essai. C'était plutôt sympa. Encore une interception. Ça leur fait vivre un calvaire sur leurs attaques. En tout cas, maintenant, on a juste à, voilà, à faire tourner la montre. 12 points d'avance. On a fini par les faire craquer. Triard. On joue avec les gros en avance. Ça marche. On l'a pas trop utilisé, ça. Mais là, vous voyez, plutôt efficace. On a essayé le retour intérieur pour Jean-Baptiste Gros. Attention. On perd la balle. Et ils vont avoir un dernier ballon. Maintenant, ils n'auront pas le temps. Il faudrait qu'ils marquent par deux reprises. Donc, vous avez compris que là, ça ne se fera pas normalement. Oh, et Triard qui arrive. Et on récupère la balle. Et on va pouvoir envoyer à Erito. Et vous imaginez, on la trouve pas. Si, c'est bon. Ouh, j'ai cru qu'il allait la sauver, va Nicolo, mais non. C'est bon, c'est gagné. Victoire 26-14, c'est ça. Victoire propre. Moi, je pense que Toulon va gagner. Ça sera, c'était serré le match. On les a juste vraiment fait craquer à la fin. Qui fait le meilleur joueur 2020-2021. Ah, c'était Amy Schwatson. C'est après Antoine Dupont. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à très bientôt. Bye bye.